le Classico avec un C majuscule, le voilà, Real Barça, c'est un match que la planète foot attend chaque année, un match pour les grandes stars sur le terrain. On va se régaler tous ensemble, ça débute dans quelques secondes. Salut à toutes et à tous, on dirait que le Santiago Bernabéu n'a été construit que pour accueillir ce match. Bienvenue à Madrid, dans un instant c'est le Classico Real Barça. À ma droite, il est en PLS, Omar Da Fonseca. Mais non, je suis pas en PLS, je regarde, je coûte, je sens, je ressens tout. Attention Vinicius. Et c'est au fond, goal de Vinicius. Le poteau n'était pas forcément bien couvert, ce qui lui a permis de trouver un tout petit espace pour marquer. C'est une frappe de très haute précision qui vient frôler le poteau. Le jeu reprend après ce but concédé par le Barça. Aujourd'hui, c'est donc son 50e match à la tête de son équipe. C'est une étape symbolique qui montre que son engagement s'inscrit dans la durée. Vous savez, le destin des entraîneurs, il est plus lié aux 3 prochains matchs qu'aux 49 derniers. C'est une réalité pesante. Alors, il y a plusieurs options disponibles maintenant. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Jordi Alba. Ter Stegen hérite de la balle. Et c'est intercepté, la perte de balle du Real Madrid. Lewandowski dépossédé du ballon. Ballon pour retrouver la possession. Ça joue, dit l'arbitre. Avantage pour le Barça. Et le gardien était bien vigilant. Alors le jeu n'avait pas été arrêté, mais ce carton jaune, l'arbitre, lui, ne l'avait pas oublié. Ah, ce coup de pied arrêté et joué court. Très bon geste défensif, c'était risqué. Un ballon récupéré par les Barcelonais. Ce ballon lobé vers Ferran Torres. Frankie de Jong avec le ballon. Le ballon sur Lewandowski. Ah, le ballon est contré. Florian Wirtz. Bien défendu, ça. Et ça passe par Lewandowski. Oh, le ballon profondeur de Lewandowski. Et ça y est, l'arbitre siffle la mi-temps à l'instant au Santiago Bernabéu. Et Vinicius, c'est pas mal du tout hein, ce qu'il montre jusque-là. Et voilà, c'est bien. Son but donne l'avantage à son équipe. Une belle récompense après. Le coup d'envoi de la deuxième mi-temps avec un but d'avance donc pour le Real Madrid.
Le ballon en touche. Ouais, il est passé, c'est bien fait. Attention, Vinicius. Ouais, ce ballon est dégagé, c'est bien défendu. Et le prochain rendez-vous sur notre antenne, ça sera donc de la Ligue à Santander. Le Real Madrid à l'Atlético de Madrid. Et oui, quand tu aimes la passion, l'engagement et le football, c'est un match qu'il ne faut pas manquer. Ça sort, c'est une touche pour le Barça. Très bonne intervention. Ça joue avec Rafinha. Oh là là, la faute! Oh, normalement, c'est carton rouge direct, ça. Oh, l'exclusion! Attention, ce carton rouge, c'est peut-être le tournant du match. Et oui, comme le but, les cartons rouges peuvent changer les matchs. La température émotionnelle risque de monter encore un peu. Olé, belle technique, là. Centre vers Ferran Torres. Et c'est capté sans souci pour Thibaut Courtois. Ça progresse bien dans la moitié de terrain adverse. Ah oui, l'excellent ballon. Et c'est au fond. Le deuxième but déjà. Le Real Madrid se met à l'abri. Un but comme ça, c'est d'abord une grande qualité de placement et anticipation. Après, face au but, quand le ballon il arrive, même vous, Benjamin, vous le mettez. Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Caissier. L'arbitre laisse jouer l'avantage pour le Barça. Ouh, l'occasion de revenir. Oh, la parade incroyable, Thibaut Courtois. Alors, vous le savez, la Liga Santander est au programme après ce match avec un duel à suivre ensemble. Le FC Barcelone affrontera Mallorca. Quand on parle de football, on parle d'émotion. Et quand on parle d'émotion, on parle de vivre ce genre de match. Attention, peut-être un but là. Jordi Alba. Ballon pour Franky de Jong. Ferran Torres. C'est une récupération du ballon sur cette action. Robert Lewandowski. Le ballon pour Lewandowski. Pedri avec la balle. Ça joue vers Lewandowski. Et aucune question à se poser. Le ballon est renvoyé. Une minute de temps additionnel. Eh oui, c'est réussi. Il est passé. Il y avait de l'idée dans cette attaque, mais le ballon est perdu. La fin du temps réglementaire et donc le Real qui prend un avantage dans cette confrontation. Ça leur permet d'envisager le retour avec sérénité. C'est parti, le coup d'envoi de cette rencontre avec le ballon pour le... Ça joue, dit l'arbitre, avantage pour le Barça. Et le gardien était bien vigilant. Alors le jeu n'avait pas été arrêté.
Attention Vinicius. Et c'est